Comment on devient un faiseur de miracles, au fond? C'est ça la question. Bonjour, ici Marie-Hélène. On apprend dans le cours en miracles un mantra qui est très, très puissant et qui dit ceci par-dessus tout, je veux voir autrement. Et qu'est-ce qu'on veut dire dans ce sens-là? On fait appel ici au fait que vous et moi, on a été conditionnés à remarquer que les effets dans notre vie, que les résultats. Ah, mon bonheur va être mieux quand je vais changer de maison. Après mon déménagement, il va se passer telle chose. Si j'avais un conjoint différent, telle chose. Hein? Toutes ces phrases-là qui font en sorte qu'on serait plus heureux si tel ou tel résultat était différent. Et on apprend dans le cours en miracle que ce sont des illusions de l'ego. Parce qu'on est uniquement au niveau des résultats. Des résultats de quoi? Des effets de quoi? De la cause. Donc, il faut remonter à la cause. Il faut changer nos perceptions. Il faut changer notre façon de penser, notre façon de voir pour changer radicalement notre vie. Et donc, le cours en miracle, et juste ça, c'est un miracle. Et le cours en miracle nous apprend comment faire ça. Sur des leçons, il y a 365 leçons, donc on étudie le livre sur une année. Et à travers ces leçons-là, on apprend constamment à passer de la peur à l'amour. Parce que dans notre société, on a basé tout un système de pensée sur la peur. D'autres diraient l'ego. Alors, il ne faut pas s'étonner que la société soit de plus en plus anxieuse, qu'on se médicamente, qu'on médicamente nos enfants, qu'on se médicamente aux antidépresseurs rendus plus vieux. Et donc, cette société-là d'anxieux, évidemment, c'est sûr qu'on est pour devenir anxieux. On est toujours en train de chercher des effets différents sans changer la cause. Alors, dans le cours en miracle, une leçon par jour pendant 365 jours, on apprend à changer radicalement notre façon de voir, notre façon de penser et à devenir dans notre quotidien des faiseurs de miracles. Parce qu'on voit différemment, parce qu'on voit ce que d'autres ne voient pas et on voit donc des possibilités que d'autres ne voient pas et on voit donc des façons de guérir, des façons d'aider que d'autres ne voient pas. Et on apprend non pas à se reposer sur notre pouvoir en faisant ça, mais à se reposer sur le même écosystème parfait qui fait bouger les planètes et qui fait changer les saisons. Alors, si c'est une aventure qui vous intéresse de devenir un miracle worker par une communauté qui vous soutient, j'aimerais vous dire que je suis la personne la plus fantastique de cette communauté-là, mais ce n'est pas le cas. Le groupe est hallucinant. Et dans le groupe Facebook, tout le monde se partage, c'est de la spiritualité appliquée, on se partage des vraies situations de notre vie de tous les jours et on regarde comment les principes du cours vont nous aider à voir différemment et donc à changer chacune de ces situations-là. Avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'humilité. Et donc, moi, j'ai envie d'être là pour vous si vous entendez cet appel-là. Si vous avez envie plus que jamais de participer à la grande marche de l'humanité en ce moment, qui se dirige droit vers un ravin et dont vous et moi sommes ceux qui peuvent la faire dévier de sa trajectoire. Si tout ceci vous parle, tous les détails accompagnent cette vidéo, pardon, et écoutez, venez me rejoindre, venez nous rejoindre dans la communauté Devenez un Miracle Worker et à chaque jour, faisons des miracles ensemble, en son nom, parce que nous travaillons notre esprit, parce que nous travaillons notre façon de voir différemment, on peut être davantage utilisé pour le plus grand bien de tous ceux impliqués. Alors, au plaisir de se revoir de l'autre côté.